Hugo qui nous a rejoint, les journalistes. Elle anime de nombreuses émissions sur France Bleu et surtout, elle écoute absolument tout ce qui sort en musique et elle déniche pour nous chaque mois de nouveaux talents. Alors cette semaine, Élodie ? Alors cette semaine, il s'appelle Brice Conrad, il a 27 ans, il vient d'un tout petit village en Alsace qui s'appelle Fulgrisheim. Je me suis entraînée avant de le dire. Et puis surtout, Daniela, contrairement aux autres artistes que je vous avais déjà présentés, lui, il n'a pas baigné dans son enfance dans la musique, forcément. Il n'a pas une grand-mère qui jouait de la mandoline, il n'a pas une maman qui écoutait de la musique anglo-saxonne. Lui, il a grandi sur des cours de tennis entre un papa policier et une maman qui lui a offert énormément d'amour. Et puis c'est vrai que ses gammes, à lui, ce n'était pas des gammes musicales, c'était des gammes de revers, des gammes de coups droits, des gammes de service. Il maîtrisait le tennis. Il faut dire que sa carrière était pour ses parents vraiment toute tracée. Il était fait en fait pour fouler les terres battues de Roland-Garros. Et puis, il va avoir un déclic. Il a 17 ans. Il se rend compte qu'il a un timbre de voix. Il se rend compte qu'il a une envie, la musique. Et puis, ça bascule à 20 ans. Ce n'est pas les garçons qui sont à côté de moi qui vont me contredire. Mais on lui offre une guitare. Et là, ça va être un véritable amour, un amour absolu. Il va se rendre compte que... Bah, il faut travailler, certes, mais le travail, ce n'est pas quelque chose qui lui fait peur. C'est encore une fois un sportif de haut niveau. L'amour de la guitare, ça doit vous parler, évidemment. Ouais. Enfin, c'est une passion. Ça englobe tout. La guitare, c'est avec ça qu'on compose, c'est avec ça qu'on est sur scène. C'est un peu notre... Et puis, ça nous protège. Ouais. En même temps, moi, quand j'étais gosse, ma première guitare, c'était une raquette de tennis. Hein. C'est vrai. C'est fou. Puis c'est quand même aussi avec une guitare qu'on arrive à draguer les filles, on va quand même se le dire. Quand on a un garçon, ça peut être super pratique. Le piano, ça marche très bien aussi, je dis, en tant que défenseur du club des pianistes. Bon bref, donc il va se passer quelque chose, il va se mettre à écrire, à composer, il va décider de tout plaquer, il va monter à Paris. Et puis là, il va donner des cours de tennis, mais uniquement pour pouvoir manger. On sait à quel point c'est dur d'être un artiste aujourd'hui. Et sur un cours de tennis, en donnant un cours, il va rencontrer l'un des gros patrons d'un plus grand label. Et puis il va écouter sa maquette, il va totalement craquer sur lui, il va décider de le signer. Ça va aller très, très vite. Je vous présente Brice Conrad. La chanson s'appelle « Hola ». Merci, Élodie. T'imagines quand je rembobine, quand je t'aime seul. Le titre de l'album de Brice Conrad, il s'appelle La Nuit Bleue. Retrouvez Brice Conrad sur scène au printemps 2013. Et puis Élodie Suigo, évidemment, vous pouvez la retrouver tous les samedis et dimanches de 21h à 22h sur France Bleu pour son émission Hello Mélodie et en direct tous les jours à 12h50, toujours sur France Bleu.